Eh bien salut à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo, le deuxième épisode de la série de la boîte à culture geek. Donc voilà, pour aller voir la première vidéo c'est tout simple, vous allez juste aller cliquer sur le lien que j'ai mis en description et sur la petite fiche qui va s'afficher juste ici, donc voilà où est mon doigt. Donc voilà, celui qui m'a répondu aux questions dans la première vidéo, c'était Shadow Gaming. Il a eu bon sur une seule question et il m'en a répondu à deux, mais il en a eu une sur deux de bonne. Donc voilà, je ne dirai pas c'est laquelle, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Sa chaîne sera en description, n'hésitez pas à aller voir. Elle sera en première page, en première ligne de description. Et sa chaîne s'affichera juste ici avec une petite fiche que j'aurai mis en montage. Bref, on va commencer tout de suite. Alors, on ouvre la boîte à culture geek. Je vous redis ce qu'il y a. Il y a cinéma et télé show, le petit focus, parfait. Littérature et BD, jeux vidéo et technologie et sciences. Le why, technologie et sciences qui est là, voilà, pour pas vous mentir. Donc, voilà. C'est parti, on va piocher au sort, attention, je tombe dans le jeu vidéo, pour les gens qui adorent les jeux vidéo, ça tombe bien, donc voilà, on va pas tarder, on va jouer directement, je vais vous dire la question directement, je répète, je vous le répète deux fois, une fois assez, enfin normal, et la deuxième fois où j'articule vraiment bien les mots, enfin genre pour bien que vous... Entendiez. Donc voilà, c'est parti. Dans le jeu du même nom, qui doit sauver la princesse Zelda? Dans le jeu du même nom, qui doit sauver la princesse Zelda? Donc voilà, on va passer directement à la deuxième question. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, la réponse à cette question, pour peut-être gagner un petit, une petite pub, pardon. On va passer directement au deuxième. Quel système de jeu breveté par WizKids, je connais pas du tout, permet de recréer des combats de super-héros? Ok, non, je connais pas du tout la réponse. Quel système de jeu breveté Kids permet de recréer des combats de super-héros? Donc voilà, je vous laisse quelques secondes. On va passer à la troisième question. Citez les trois villes du premier opus de GTA. Pour les gens qui aiment bien GTA et pour jouer, c'est à vous, enfin c'est pour vous cette question. Citez les trois villes du premier opus de GTA. On va passer directement à la dernière question. Dans quel jeu vidéo de course auto peut-on débloquer la voiture de Pac-Man? Dans quel jeu vidéo de course auto peut-on débloquer la voiture de Pac-Man? Je ne connaissais pas la réponse. Donc voilà, n'hésitez pas à me répondre à ces questions dans les commentaires. Je verrai qui a bon. Et si vous avez bon, bien sûr, vous aurez la pub des familles de Geek & Tech. Donc voilà, Rob.quin, comme vous le voyez avec la petite flèche. Ça me fait extrêmement plaisir. Go les Aka. Merci encore pour les 10 000 vues. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Donc voilà, moi, en tout cas, je vous dis à une prochaine. Et moi, je vous dis bye bye.